YouTube, j'espère que vous allez salut bien. Salut YouTube, on va faire Pepper, arrêtez, écoutez-moi, on va faire Pepper. Salut YouTube, fuck Kalten. Non, bonjour Kalten. Bonjour Ayoub. De Ayoub. alors oui, vous pouvez, mais abonnez-vous, souscrivez, likez, et souscrivez un abonnement. La cloche. Voilà, appuyez sur le bouton de la cloche pour avoir les notifications quand il y a des nouvelles VOD. Yes. Et voilà, comme ça tu vois, t'auras pas à le dire à la fin du live. Oui, bah si, je vais le redire, mais le truc c'est que, étant donné qu'il y a des gens qui partent en cours, voire quand on commence à dire on va se laisser là, ils coupent la vidéo, bah, c'est bien de le dire en début. Peut-être qu'ils partent au travail. Coucou Yums, bonsoir, comment ça va? Yums, comment vas-tu depuis tout à l'heure? Parce que oui, nous on s'est déjà parlé, t'es jaloux, hein, parce que deux chauves qui se parlent, c'est toujours bien. Bah oui, parce que bon, moi, Yo était en stream. Non, même pas, on s'est parlé par MP sur World of Warcraft, parce qu'on joue tout le temps World of Warcraft. D'accord. Donc oui, on va faire, comme Ayupa disait, on va faire Pepper, donc bah, il reste plus que moi, j'ai l'impression, ils m'ont laissé. Sur une échelle de 1 à 10, à combien notes-tu ma prestation pour t'avoir bien cassé les parties génitales? Les parties génitales. Eh ben, je te dirais un bon 8,5. Yes! Ah, c'est pas mal, comme bien. Putain, tu vois, j'allais pas bien avant, et là que tu me dis ça, je suis content. Ah, mais ça me fait plaisir. Alors, par contre, je vous explique un problème que j'ai, c'est que vous êtes tous sur. sur le. Pour moi, tu vas au centre Pokémon à côté, et t'es à. Ouais, du coup. 10 secondes. Non, en fait, vous êtes tous sur l'icône de TP, et donc, du coup, je peux pas me TP sur vous. Ouais, c'est chiant, ouais. Et on dit aussi merci à Fablier qui a follow entre les lives. Merci à toi, Tablier. Fab. Ouais, Tablier. Oh, c'est bien soutenu. Bah, oh, il y a un morceau. C'était. Ah oui, non, c'était un axoloto. Bah, alors, je pense qu'on a tout ici quand même. J'ai besoin de votre aide. Quoi? Le professeur a besoin de notre aide? Moi, j'ai trouvé un mordu d'or, j'étais un peu mordu d'or avant. Ok. Il doit être au sommet. Mais tu tapes. Non, je suis juste à côté de la tour. Je sais pas pourquoi on est allé dans ce coin sombre. Comment t'as fait pour arriver avant moi? Ouais. Mon gars. Oui, c'est ça. Vous voulez que je vous dise un secret? Vas-y. Vous êtes beau. Toi aussi. D'ailleurs, je vais être encore plus beau bientôt. Ah, tu vas te raser le crâne? Ouais. Oh. Mais je me suis acheté un rasoir. Pour mieux le faire. Ah. Il y avait beaucoup de pubs qui passaient sur un truc qui s'appelait Skull Shaver. D'accord. Et du coup, j'ai craqué et j'en ai acheté un. Il paraît que ça fonctionne très très bien, j'ai des potes IRL qui m'ont dit que ça fonctionnait super bien et tout. Mmh. Et au lieu d'un rasoir à main, ce sera un truc électrique, donc je veux gagner du temps et moins de risques de coupure. Tu m'étonnes. Off Pepper. Mais j'ai payé 110 balles et ça fait mal. Ouh. Tu m'étonnes. Mais ouais, l'histoire de Pepper, elle est triste en fait. Oui. Bah, le truc, c'est qu'entre lui et Dogrino, putain. Ouais. C'est vraiment la quête badante, quoi. Bah, je pense qu'on aura fini la liste de Pepper et Cassiope ce soir. Mm-hmm. Du coup, demain, tu voudras faire la zone 0 un petit peu qu'on découvre ou tu voudras faire autre chose que Pokémon? Il y aura pas la ligue à faire, quand même? Mais la ligue, on l'aura faite aujourd'hui. Ah ouais. Bon bah du coup. Moi, je table sur les trois aujourd'hui justement. Ah d'accord. Je pensais on pas. On va voir. Ouais, on va voir. Bah si jamais on finit aujourd'hui, moi je suis partant pour la zone 0 en vrai. Yes. Commencer éventuellement un petit peu. J'imagine que c'est le. Commencer les légendaires aussi. Le post game. Ouais, c'est le post game. Ouais. Commencer les légendaires, tout ça aussi. Moi. Mmh. Attends, elle a des canines de vampire. Donc en fait, Pepper, c'est l'enfant des deux professeurs.
Ouais. J'imagine, du coup. Mais il l'avait dit au début. Oui, oui. Bah. Ah ouais, toi, t'as le professeur. Moi, chez nous, on a la professeure bien, on a le professeur Touroum. Oui, oui, oui. Toi, t'as vous avez le DILF. C'est l'enfant. Ouais, et toi, t'as la MIF. Même si la maman de. La maman du début, là. Ah, oui. Alors, Ayupa, t'es prêt à te battre ? Le livre écarlate. Ah, le fameux. Ça fait vraiment plaisir de vous avoir de nouveau en vocal. Mais c'est toujours un plaisir. Avec vous. Depuis, ça, j'ai l'impression que ça faisait une éternité, alors que pas du tout. Bah, ça fait depuis lundi, mais le truc, c'est qu'on a tellement plus l'habitude d'attendre une semaine entière. C'est vrai que d'habitude, il y a le vendredi. C'est vrai que c'est bah, le fait que t'as pas streamé jeudi et vendredi. Non, parce que moi j'étais en vocal mercredi, mais. Ah, bah moi ça me manquait hein, le stream en vrai. Au bout de même 3 jours. Le mec il est addict. Ah, c'est ça. Ah, il y a Zielki qui est en train d'écraser les Pokémon de Pepper. Je suis pas sûr de rester très longtemps au taf si jamais je me mets à streamer de là-bas. D'ailleurs, tu reprends demain ? Non, je suis prolongé parce que j'ai encore des soins infirmiers. Ouais. En gros, je suis encore méché. Oui, c'est vrai, j'ai tenu au courant les collègues, mais pas forcément vous. Mais ouais, je suis prolongé d'une semaine parce que j'ai encore l'infirmière qui vient et que bon. À partir du moment où c'est ça aussi le truc qui me fait un peu chier. Je pense que je vais repartir sur des streams allongés du moment que je serai plus méché et tant que ce sera pas encore cicatrisé. Ouais. Parce que là, en fait, douleurs, ça va. Ouais, bah disons que des streams de 1h30, 2h, éventuellement un peu plus, ça peut passer. C'est juste que je morfle à la fin. Enfin, je morfle à la fin dans le sens où tant que ça fait pression, ça va. Par contre, dès que la pression se relâche, là, par contre, je douille un peu. Peut-être que le stream de demain, ce serait mieux de le faire allongé. Ouais, bah après, le stream allongé, ça me fait mal au dos, par contre. Mais prendre des pauses dans ces après, cas-là pour... Ouais, mais après, le truc, c'est aussi une recommandation de l'infirmière de s'asseoir quand même quelques temps dans la journée. Pour ça que j'ai repris les streams assis aussi. Parce que, ben... C'est recommandation de l'infirmière, quoi, pour... Pour bouger. Bah, pour bouger, bah, notamment, tu sais, pour que tout... Avec la gravité, tu sais, tout ce qui doit descendre, tout ce qui doit sortir de l'incision sorte bien, en fait. Mmh. Je vais pas vous détailler un petit peu tout ça, hein, mais bon... Si, t'éteins l'intérieur de ton corps. Oh, écoute, là, du coup, il y a deux infirmières, ils en ont vu plus de mon corps que moi. Ça doit être ténèbres, peut-être. Ah, je crois qu'on les a tous vus, nous, mais il est comment ? Ouais, une espèce de truc avec une étoile. Ouais, tout plat là ? Ouais. Ouais, ça doit être ténèbres. Le quoi ? J'ai pas entendu. Le Terra Crystal Ténèbres. Ouais. Et voilà, Paper Mario s'est vaincu. Paper Mario. Moi, il me reste deux Pokémon à battre. Moi, j'étais tellement en train de vous parler que je suis en train de terminer le dialogue avec Pepper. Va passe. Un Crustaberry. Cet enfoiré, il m'a mis des pièges de rock, du coup, dès que je change de Pokémon. J'ai mal. Team Strat. Ouais, sauf que je one shot tous ces Pokémon quoi. Je fais juste des switches de Pokémon pour le fun. Bah du coup ça a l'air plus simple que Clove la dernière fois, non? Ouais. Parce que Clove on en avait un peu chié quand même.
Ouais. Écoute, moi j'en suis au troisième Pokémon là, pour le moment ça se passe. Ouais. Ah, il va se terra cristalliser. Mais du coup, Tiens. ça va être ténèbres. Hop, moi je vais changer. Je vais changer d'équipe, je pense. Non, je vais garder cette équipe jusqu'à la fin, je pense. Ouais, il me va bien comme ça. Le truc, c'est qu'il faut que tu gagnes des niveaux parce que ça va être que du 60 plus maintenant. C'est ça. Super efficace. Ah non, il était recristallisé en mode normal du coup. C'est normal ça? Bah, à moins que le type ténèbres ait une faiblesse au combat. Le type ténèbres a une faiblesse au combat. Ouais, donc c'est ténèbres. Ouais, j'étais parti vérifier, j'avais un doute. Mais du coup, ok. Je pensais qu'il était que de type normal de Green. C'est l'explication, c'est ouais, Non, c'est la ténèbres. force bat les ténèbres, quoi. Ouais, Voilà, vaincre tes peurs. il est ténèbres monotype, hein, Dogrino. Et tu fais quoi? Il est monotype ténèbres, Ah. Dogrino. Bon, par contre, le son du jeu est peut-être un peu. Ah. Fin de légende terminée. Ah, GG! Bon, bah on va attendre que la nuit tombe maintenant. Ouais. Je vais essayer de voir s'il n'y a pas des petits ravis à côté du centre Pokémon. Il me semble qu'on en avait eu dès le début du jeu et que j'étais le seul de nous à ne pas en avoir Ouais. eu. Et que c'est un des rares qui me manque au début de mon Pokédex. Donc ça me fait mal. Bon, Florecla, tu as fait ton taf. Allez. Ah, putain, de gros chiant, ça. C'est pas terrible en fait, malgré nous. Hop, méga fouet. Ah, peut-être que comme ça, tant que tu finis ce qu'elle t'aime, on va. Bon, la nuit va tomber, ça va être cool. Oui. Il serait parfait. Ce serait complètement volontaire. Oh, c'est mignon. J'avais pas remarqué sur ma caméra en fait. J'ai déplacé la ring light et que mon père a réparé la ring light et ça fait un halo autour de la tour Eiffel. Ah, C'est oui, ça fait mignon. très joli. Et merci à ton papa d'avoir réparé la ring light. Oui. Merci à ton papa d'être compétent, pas comme toi. Si, tu mens, Kalten il est con et il pète. Alors, vous voulez des détails? Je suis sûr que Pas tu peux trop. pas me battre. Ben ouais. La morphine, ça fait péter. Ah bon? Oui. Moi, ça fait pas péter. Parce que toi, t'as des nausées. Pas péter, c'était. C'est. Moi, j'ai pas de Blighty, nausées. c'est ça? Moi, j'ai pas de nausées, j'évacue tout par le bas. Toi, t'évacues tout par le haut. J'ai pas eu de nausée avec la morphine. Ça me Non, c'est constipait plus l'oxycodone, qu'autre chose. exactement. C'est quoi Oui? qui fait péter. Et je dis morphine, mais c'est oxycodone. Ah, Ouais, ça, on a abusé les Al enfants. bâtard, Bah non. je veux pas le mourir. Albatar. Ah ouais, mais non. J'aime pas les câlineries. Bon, y a pas un petit ravi qui Oh. se balade là? Je ferai un gros câlin quand je reviendrai, tu vas voir. Tu vas changer d'avis. Ah ouais, mais bon, j'ai 4 Pokémon qui tombent sur les câlineries, quoi. Ah merde. C'est vrai. C'est un peu con. Petit ravi, merci de me. Attends, Terra Cruel, c'était sol. Plante. Seule plante. Sol plante. Oui, ça Eh plante, ben, on l'a dit déjà c'est. deux fois, merci. Eh ben, c'est pas ouf. Bah, tu fais une attaque glace et c'est fini. J'ai pas l'attaque glace. Ok, je l'ai tué. Bah, tu fais une attaque feu, tu pries pour avoir une cryo. Il est assez vite, moi, pour faire gaffe. Ouais.
Bah moi j'ai eu de la chance parce que comme j'ai un Pokémon et non pas un personnage, le type glace, je l'ai one shot et il a pas eu le temps de. Là, séisme, c'est pas eu opti hein, sur lui. Il y a plus d'attaque SP, moi je lui ai mis Tellurie Force. Hop là, on va quand même soigner Floreclat pour qu'il regagne. Putain de bordel de chasse. Ah, j'ai fait peur. Oh, il a une attaque poison, le con. Ouais, c'est vrai, il a bon burk. Rondoudou, dégage, c'est pas Rondoudou, ça c'est tout doudou. Je suis pas sûr d'avoir la prio en vrai. Eh ben je ne l'ai pas, figurez-vous. Oh vas-y, faut que je me déconnecte de BattleNet à chaque fois, j'ai des gens qui m'envoient des MP. Hey, tu joues à vous ? Hey, tu viens jouer ? Cassez-vous, laissez-moi tranquille. En plus j'ai un MP Discord, mais c'est quoi, c'est... Pourquoi vous me harcelez ? Ah non, bah non, c'est bien. C'est ma femme sur FF14. Ah, ça c'est important. Parfum de légende terminé. Impeccable. GG. Kalten. Oh. Kalten, il est toujours un peu derrière, c'est normal. Ah, il faut être derrière que devant. C'est la routine. C'est ce que j'allais dire, mais... Non, mais j'allais dire, c'est un streamer, il faut qu'il lise le stream, qu'il lise le jeu, qu'il anime le chat. Exactement. Donc, personnellement, je ne tiens pas rigueur du temps qu'il met. Ça, ou du temps qu'il met à arriver. Parce qu'il dit, oui, je serai là tôt. Paf, 20h45. Il a jamais eu le sens de la ponctualité. Parce que c'est un streamer, et les streamers sont toujours à la bourre. Non, je suis à l'heure. Mais là, tiens. Jamais là après que le stream commence. Gigancelle. Ouais, c'est que Roche. C'est Roche. Ah ouais. Pokémon cheaté. J'ai toujours cru que c'était Roche. Roche agi. Roche agi, je vais dire. Oula. Roche et Sol. Roche Sol, mais non, c'est que Roche. Alors que j'en ai un dans mon équipe depuis le début du jeu, mais. Pareil, il paraît qu'il est cheaté et qu'il va être ban sur Smogon. Ouais, mais Smogon, je crois qu'ils vont ban à peu près la moitié de la 9G. Ouais, c'est un peu près ça le délire. C'est à peu près ça le délire en fait. Est-ce qu'il y a des petits ravis? Mais pourquoi il n'y a pas de petits ravis? Il y a toujours des petits ravis d'habitude. Oh. Aïe. Mais comment ça? On peut monter les... Ah oui, c'est bon, on peut monter les trucs comme ça. Tu veux monter qui? On peut escalader et tout maintenant. Ah oui, oui. Mais l'escalade, c'est trop bien. On pourra... En fait, je crois que une fois que j'ai tout fini, même si c'est en stream, je vais tout revisiter. Oui, oui, bah... Ou demain on fait zone 0 plus de la revisite. Enfin, de toute façon après l'intérêt. Et merde. L'intérêt c'était d'avoir de faire vraiment toute l'aventure ensemble. Après pour le post-game, je pense qu'on peut. Ouais, on peut se lâcher un petit peu. Ouais voilà. Il y en a des petits ravis, moi je vois pas de quoi tu parles. Mais t'es où? Pas là. Ah non, il y a des touloudous, il y a pas de petits ravis. Ouais, j'allais dire, je vois que des touloudous aussi. Déflagration, je suis pas trop ouf. Archéomir de type normal. Bon, ça intéresse personne, on est d'accord. Ouais. Je suis en train de foncer sur mes cristaux en attendant que tu termines. Au moins que j'ai une attaque feu puissante parce que. Ça a un Mélocric de type électrique. Non. Et si on laissait Cléopsytra? Cléopsytra, shiny. Shiny, pardon. Et vous, si tu le précises pas. Ouais, non, autant pour moi, j'ai manqué à tous mes devoirs. Hein? Nous te pardonnons. Bah non, on te pardonne pas. On te rinsep sur ma chaîne. Oh là là, comment il marchande? Mais non, mais c'est parce que j'ai une annonce, elle est trop mignonne. Oh. Je voulais vous la faire écouter, mais on peut pas faire écouter des sons. Ah.
récupérer donc normalement. Les filets bleus. Pour Do... Ah, est-ce que je ferais pas un Dogrino contre Dogrino? Tiens, il est plus élevé que toi, tu perdras. Ça dépend, parce que moi j'ai du poison. Enfin, j'ai, je veux dire, j'ai mis l'épique toxique. Ah, il a augmenté mon attaque. Alors, par contre... Ah putain, faudrait que je... Que je réanime Briochien. N'hésitez pas à, si vous ne savez pas quoi faire, aller voir vos cristaux, voir si on peut faire des petits trucs sympas en attendant. Moi j'ai fini bientôt là, donc... D'accord, mais on peut quand même aller voir nos cristaux, voir s'il n'y a pas des trucs... Ouais ouais, mais après le truc c'est que partez peut-être pas trop loin, parce que la nuit tombe. Hein, donc, Oh putain, il y a un cool fish. Ah non, c'est... Oh on a senti le... on a senti le PTSD. Je te jure que j'aurais éclaté ça. De toute façon, c'est simple. Je vais faire un génocide de Coldfish. Je vais éradiquer les Coldfish de Paldir. Et après, j'en ferai des sushis et je donnerai de la nourriture à tout le monde, gratuitement. Ah, c'est ça qu'on va entendre. T'inquiète que la nourriture et toi. T'as fait un beau couple là. C'est la vie. Les gens, il faut manger. Ah, putain, et même si vous n'avez pas faim, forcément. C'est mon écran qui décolle. Et surtout, les amis, buvez. Mais pour l'instant, ton écran, enfin, nous, on a rien sur le stream. En fait. Ouais, non, j'ai des trucs qui se passent là. En fait, j'ai des couleurs sombres qui commencent à paniquer sur mon écran. Ça me fait chier parce que l'écran, il est jeune. Ah, c'est le nouveau. Bah c'est le nouveau, ouais, et il commence déjà à avoir du mal sur certaines couleurs. Ah oui, dur. Hum? Dur. Donne ma bite. Pardon. Ça doit faire mal si c'est toujours dur. Hein. Attends, pourquoi il fait jour tout à coup? On s'y habitue, hein. Pourquoi le soleil s'est levé en genre 2 secondes? Non, t'inquiète, il s'est jamais couché. Ah d'accord. Fort en combat qui a déjà atteint le rang de maître, quelqu'un qui connaît la technologie sur le bout des doigts. Ah bah... Menzi et Pania, oui. Bon allez, je retourne à mes recherches de petits ravis en attendant que la nuit tombe. Ouais. Moi aussi j'ai terminé un parfum de légende, ça y est. Allez. Ça me fait chier parce que tous mes Pokémon sont tombés KO pratiquement. Du coup j'ai loupé plein d'XP. Il y a peut-être des combats que tu ne passeras pas du coup à cause de ça ce soir, mais... Ouais, espérons que non. On aura toute la journée de demain pour faire une session. Ouais. Mais après, t'as plein de bonbons aussi. Ouais. Ah. Après, je compte beaucoup sur l'aide de Florek, là. Ouais. Du moment qu'il... Bah, si jamais il se fait pas one shoot,
Double pic toxique et piège de roc en même temps, bon, ça t'aide quand même pas mal en un combat, quoi. Ça, c'est clair. Ah, toi, là, avec le bob, arrête-toi. C'est un racket. Donne-moi un petit ravi. Ah, c'est toi. Modo. Oh, mort bah, tiens. C'est pas un petit ravi, ça. Je t'ai fait rentrer mon floreca dans toi. Voilà. Ça fait mal. Mais regarde, la map, elle dit bien qu'il y a des petits ravis ici. Ouais, non, mais la map, elle ment. Il y a que des tout doux. Essaye de voir un peu plus par là. Moi, je vois pas de petits ravis, en tout cas. Bon, la nuit, elle tombe, là. Tant pis, hein, le petit ah, j'ai ravis, un terra cristal dragon, juste ici. Vas-y, va voir, fonce. J'y vais. J'y cours, j'y vole. Envole-toi. Loin de cette fatalité qui colle à ma peau, c'est dégueulasse. Et tout doudou, arrêtez. Je te jure, je vais tuer tout le monde. Jusqu'à ce que je croise un petit ravi. Mais tu vois, toute cette violence que tu gardes en toi, ne faudrait-il pas y trouver un exutoire autre que la... Le fait non, de taper en fait, les gens. La violence, c'est l'exutoire de mes douleurs IRL. Ah. Tout simplement, donc je tue des gens parce que j'ai mal. Enfin, je tue des Pokémon, plutôt. Ouais. Uniquement dans des jeux vidéo. J'allais dire je valide, mais là, du coup, je valide moi. Ah, j'ai un escroco ténèbre. On l'a déjà eu, j'ai un escroco dragon, pardon. Un escroco dragon. Oh, fun. Pénélope, coucou à toi, comment ça va? Hello, coucou à toi. Bon bah du coup je ne le fais pas. Vous avez brisé mes rêves. À défaut de te briser le... Tu as dit quelque chose? Non, du tout. J'ai un deuxième Terra Crystal Dragon. Ah, oh, fais-nous rêver. Vas-y, je vais regarder mon Pokédex, il y a peut-être mon Pokédex sous là. Mon Pokédex. Je vais faire carver mon Pokédex. Il y a peut-être une autre zone qui indique que... Non, il est Est-ce que les starters Pokédex. Sont... Pokédex. Pas. ...attrapables, ou est-ce que... Quoi? Comment on peut avoir les starters autres que par les starters? Tu vois ce que je veux dire? Je pense qu'il va falloir les échanges. Oui, voilà, comme dans tous les Pokémon. Je sais pas, peut-être la zone 0 elle permettait justement d'avoir les starters. Je suis pas sûr parce que. Voilà, bah, dans les gens. Hein. Dans les gens. Mais on n'est pas désagréable, qu'est-ce que tu racontes? Dans. Personne même. Oh, oh mucus... Il y a des mucuscules ici. Ah ouais. Mais dis donc, c'est pas un petit ravi ça, c'est une putain d'élytrelle. Ça m'avait pas manqué. Je vois pas pourquoi. À chaque fois, on la marche dessus et puis ça fait. Et ça reste collé là-bas. En vrai, je pense que ça. En vrai, ça se passerait comme ça, on est d'accord, j'allais le dire. Comme ça. J'allais. Bravo, mais casse-toi, c'est pas toi que je veux. Total soin, griffacier. Marche dans les herbes, vous avez gagné 6 XP, vous avez gagné 6 XP. Oh, un pieu, vite, il faut que je le retire. Un dodoala de type dragon. Pas de type dragon. Dodo. C'est de la merde. Alors, dodoala est bien. Attention. Oui, type dragon. Type dragon, on est d'accord, c'est pas forcément ouf. Mais par contre, je crois que je l'ai pas, moi, donc je vais peut-être le faire. Oui, bah vas-y, non, je te rejoins. Ok. Dragon, c'est faible à quoi? Au dragon uniquement. Dragon, glace, fée. Donc c'est pour ça que je vais prendre... Grévaudou. Briochia. Est-ce que Zielki va se joindre à nous? Ouais. J'arrive. La 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 la.
Aïe aïe aïe. Capital. Là, on clique dessus. Je clique. Sans la foule. J'arrive à te suivre après ta série. Il n'y arriverait pas, ton virevent, je sais pas quoi, il y arrive bien. Bah oui, mais justement, il est poussé par le vent. N'oublie pas que là, on va se battre contre un dragon, hein, Zelki. Bon, c'est pas grave, Pokémon est cheaté. Ouais, il a cheaté, ça. Voilà. C'est vrai. Ah, mais non, mais en plus, non, c'est bon. Ouais, c'est un dragon, c'est ça? Oui. Ok. Ouais. T'as une attaque fait? Non, j'ai colère. Ah! Ah! Voilà. Après, d'un côté, c'est toujours bien, puisque si jamais on peut changer leur type Terra Crystal. Oui. Oui, on peut changer Terra Crystal, mais c'est 50 Terra Crystal. Ah oui, c'est assez balèze, effectivement. Ah, mais on en ramasse partout, mais c'est plus. On vient juste de le taper une fois chacun. Ouais, ça devrait le faire, je pense. Il va faire son bouclier ? Ouais, il fait son bouclier. Deux attaques d'un devrait remplir l'orbe. Non, t'es confus. De toute façon, c'est assez. Ah non. On n'a pas eu l'animation comme quoi il perdait son bouclier. Ah. Ah, moi je l'ai eu. Ah, moi je viens de l'avoir, mais alors qu'il est à zéro truc. Une Pokéball. Gling, gling, gling. Et ben voilà. Bah en plus comme ça, si jamais vous y a un autre Pokémon que vous voulez faire Terra Cristalliser Dragon, on récupère des Terra Cristal Dragon en plus. Voilà, c'est bien. Donc c'est tout bénef. Tout à fait. Ok, bah il fait nuit chez moi par contre. Ouais, il fait nuit, go. La nuit elle tombe, let's go, téléporté. Ah putain, une hirondelle de... J'espère que vous êtes soigné avant, par contre. Bah, je me soignerai dès que... Ah mais attends, j'ai un centre Pokémon pas loin. Ouais, parce qu'on va se TP juste devant l'école, je crois. En fait, tu peux te TP au centre Pokémon et y aller à pied. Hein ? Tu peux te TP au centre Pokémon et y aller à pied. Ouais, mais j'ai un centre Pokémon juste à côté, là, regarde. Splotch. Et du coup, comment on lance le combat? Faut aller dans le gymnase, le stade. Ok. Hop. Comment on combat dans le stade? Normalement, tu parles à l'accueil, ouais. Ok. Et normalement, tu dois pouvoir avoir le truc de... Combat Pokémon ? Hein ? Parce que là, elle me propose que les... Ah non, attends, le... oui, l'accueil, pas la meuf. À la borne. Ah oui. Ouais, plutôt la borne, ouais. Ça te fait la liste, en fait, des endroits... Ma chambre, salle, cours de l'école, cours de l'école. Ouais. Académie raisin. Oh mon dieu! Cassiopée, on ne s'attendait pas du tout à ce que ce soit toi.
mon dieu, on n'avait pas du tout émis cette hypothèse. Tu n'es pas... C'est ça, tu n'es pas du tout d'ailleurs le seul perso où on se demandait ce que tu foutais là, en fait. En tout, t'étais le seul perso qui sortait un peu du lot. Alors... cafétéria, boutique... Ah oui, il y a une boutique dans l'école aussi. Cours de l'école. Kalten. Je suis sûr qu'elle a dit Kalten chez vous aussi. Oui. Non. Bah si. Oh mon dieu. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce deuxième personnage... Ah, le reveal. J'imagine que tu... J'aime bien, elle dit quand même, j'imagine que tu dois être surpris. Oui. Je l'imagine trop avec une voix comme ça. Ou dans ma tête, j'arrive pas à la prendre au sérieux. Oh, il est trop beau son Pokémon, je le même. Bah c'est parti hein. Ouais. C'est parti. Je suis prêt, Pagne. Oh, je suis... Enfin, quoi, forêt, il baisse mon attaque. Oh bah tiens... Désolé, je suis à la bourre. Putain. Tu filmes notre combat. Et imagine on perd. C'est possible, hein. Je sais pas... Je pense que ça va arriver, je crois. Ah ouais? Pour certains, c'est faisable, pour moi, je ne pense pas. Parce que bon, mon Pokémon le plus bas level est level 65. Ah ouais, quand même. Incline-toi devant la toute puissance de la Big Boss. Le Grelocoque de Glévodo restaure un peu dépêlé. Oh. On n'avait pas du tout prévu l'identité de son équipe. Hop. Genre ils ont tous la même attaque, c'est pas possible. Ils ont tous regard touchant. Ah oui. Alors attends, par contre. Autre strat. Voltaire. Par contre, la musique, elle est ouf sur son combat. Ouais. J'aime trop aussi. C'est censé être un boss. Ouais, non, mais... En vrai, les musiques de ce Pokémon... En fait, Pokémon Violet et Carotte, tu fais abstraction des graphismes. Je ne trouve rien à redire derrière. Ah oui, bien sûr. Même les graphismes, moi je trouve que dans l'ensemble ça va, c'est quand je regarde de près ou c'est un peu plus choquant. Ouais, quand tu regardes de... c'est exactement ça, quand tu regardes de loin, genre les paysages de loin et tout, ça va. Ouais, ouais. Alors, quand tu joues en mode... Oh, j'irai pas jusque là, mais quand tu joues en mode portable, franchement ça va. Moi je sais pas... Putain, je suis fan de la musique en vrai. Moi je suis à 80 cm depuis le début et franchement... 80 cm. Fait, ah oui, d'accord. 82 cm mon écran, oui. Oui. 32 pouces. Ton écran, oui. Ouais, ouais. En bas, si ça fait ce taille-là, je pense que j'aurai des problèmes d'irrigation. Oui, oui. Tout à fait. Ou pour les corps cerveau, quoi. C'est ça. Mais ils font tous regard touchant, tour 1. Bah, moi non. Moi non. C'est le quatrième que je tue, le quatrième qui me fait regard touchant, tour 1. Moi, ils me font des attaques, hein. Ah, moi aussi, ils me font des attaques. Moi, il m'a fait psycho dès le début. Ah, moi, il m'a fait un regard touchant 2-3 fois. Oh putain. Je m'en jaille Filali. Tout seul. C'est Filali ou Filiali? Filali. D'accord. Ah, c'est deux L. Oui. J'aimerais bien mettre les pics toxiques. Ah, là tu me fais plaisir.
D'autant que si jamais elle a une équipe juste dévolie. Ce qui est absolument pas le cas. Ouais. non. Du coup, il n'y a pas d'évolie type poison, donc les teams, les pics. C'est vrai les pics toxiques vont rester. Il s'appellerait comment Toxali ou un truc comme ça, ouais. Toxali, ouais. Toxali, ça me paraît pas mal. Même si ça me fait plus penser à un toxico de Montreuil que. À quoi? Un toxico du 9-3 que. Nymphali, c'est faible à quoi ça? Mais du coup, il y en a deux qu'elle a pas par contre. C'est poison. Ah, vu qu'il y en a que 6 sur 8, ouais, j'ai pas vu de Mentali et j'ai pas vu de. Evoli. Bah non, enfin, après. Il y a 8 évolutions. Ah, donc sans compter Evoli. Sans compter Evoli, oui. Donc j'ai pas vu de Givrali, je crois. Givrali. Je crois. Givrali, il n'y avait pas. Merde, j'ai un peu Pyroli donc. Oh non, la terra cristallisation de ton Pokémon me fait trop peur. Bon bah, GG. GG pour moi aussi. Ouais, le combat en fait il est faisable. Donc. En fait, ils ont mis peut-être les niveaux très hauts parce que justement c'est des évolutions qui sont pas forcément très fortes. Évolue maintenant, c'est. C'est plus que c'était, hein. De mon temps. Putain. Je sais pas comment je dois interpréter ça. Aïe aïe aïe. Ça sert à rien. Nous servons à rien. Ça. Ah ça y est, j'ai eu droit à mon regard touchant. Bah moi j'en ai eu 0. Ah moi j'en ai eu 1. Bah mettez un Pokémon qui touche le spécial, hein, c'est tout. Voltali. Mais qu'est-ce que je peux bien mettre sur un Voltali? Pas grand chose. Tu me fais regard touchant, mais séisme, hein, ça. Bah, j'ai pas d'attaque sol, dis donc. Fidali, c'est plante. Je vous jure, je vais me mettre une version 10 heures de cette musique après le live en fait. Sûr qu'il y a des remix incroyables. Oui, bien sûr. Ouais. Mais tu vois, je m'attendais pas à une musique aussi punch sur panier en fait. Hein. Je me serais attendu peut-être à un truc façon Iris dans Noir 2 par exemple, tu vois. Je suis le seul qui soit encore en combat? Non, je suis encore. D'accord. Je suis en mode. Mince, comment ça s'appelle? Ah, il parle quoi, discussion quoi. Ouais. Bon, elle est très prenable. En tout cas, elle est bien plus prenable que Clove. Kelten, c'est un enfant. Non, mais ouais. Oh, vous m'avez compris! Justement, t'as compris, Cloud. Pour une fois que je vais utiliser le bon Terra Crystal au bon moment, putain. On sait que tu allais encore nous dire vous êtes intenable, Avril. Ah, mais vous êtes intenable, hein. Vous n'êtes pas sortable. C'est bon.
Il aurait fallu des équipes de 8 Pokémon comme ça, elle aurait pu avoir les 8. Ou alors un autre combat d'affilée. Un combat de jour. Il n'y a pas un autre combat après. C'est vrai que... On dit que t'avais pas fini le combat. Comment tu sais qu'il y a un autre combat? Est-ce que elle va mourir d'empoisonnement? Non. Moi je l'ai tué avec empoisonnement. Eh ben félicitations. Toupie éclat. Je sais plus si c'est prioritaire, type Toupie éclat. Pas eu besoin de terre à cristalliser. Moi j'essaie quand même d'utiliser la feature du jeu. J'ai tellement pas utilisé dans le jeu. Ah putain, elle est riche, Pania. Non mais comment elle a pu ne pas savoir ça, mais Pania, tu me dis. En fait, elle nous a donné sa bourse d'études en fait. Elle t'a donné combien d'argent? 15 000. Ah donc j'ai dû avoir le double puisque j'ai mis la pièce relique. Mmh. C'est vrai que c'est le bon bail ça pour les, sur les combats de la fin. Ouais, 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 clairement. Oh mon dieu, une belle bande de d'enfants, et non pas de bouffons. On a déjà défoncé aisément par le passé. J'aime bien la coque de son téléphone. Big Boss ou bébé en abrégé, évidemment. Allez, croc-croco, les croc-croco, les crocodiles. Les portes du Nil, ils sont partis. On ne s'est jamais vu IRL. Ah là là. Clove qui balance évidemment des expressions random. Ah oui, non, c'est dans la boîte, il filmait, c'est vrai. Regarde bien, Pania, ce qui va se passer. Et regarde bien comment elle ne s'a... Elle y a cru vraiment à Clove, tu vas voir. Ces dialogues. La pauvre. Ils étaient ma famille. Ah non, mon plus grand trésor, pardon. Bravo d'intérêt généraux. Quand vous allez tous redoubler parce que vous avez séché. Attention, monsieur Clove. Transformation, Kalten, vas-y, fais comme lui. Oh putain. Tu es une magical girl. Mais tu... Mais... Pania, t'es une pro de l'informatique, tu t'introduis dans tous les systèmes et tout, mais... T'avais pas capté ça? S'introduire, ça connaît Kalten, hein. Kalten qui est, je le rappelle, dans l'informatique, donc c'est pour ça qu'il s'introduit beaucoup dans... Oui, c'est pour ça que tu disais ça. C'est un hacker. Oui, oui, c'est un hacker. Exactement, ouais. Connais un super d'ailleurs, quelques invités. D'ailleurs, joyeux anniversaire, hein, Kalten. Hein? Ah, de stream?
Parce que c'est vrai, mon anniversaire de stream. Anniversaire de stream, c'était le 4 janvier. Et j'ai zappé. Bon anniversaire de stream en retard. Merci. Parce que ton anniversaire, c'est tout. Non, c'est pas mon anniversaire de stream, c'est mon anniversaire YouTube, pardon. Le 4 janvier, c'était l'anniversaire de ma première vidéo YouTube. Les 8 ans de ma première vidéo YouTube. Voilà. Je suis en train d'essayer de trouver un truc qui peut me... Ah, je faisais quoi il y a 8 ans? C'était 2015 du coup. Hein? Oui. 2015, je faisais quoi? Je travaillais sur Paris. Oh, c'est mignon. Ah oui, à l'époque. Enfin bref, parlons peu, parlons bien. Il nous restera donc à effectuer la Ligue Pokémon. La Ligue, ouais. Ouais. Je vais juste chercher du café en plus. Je pensais que t'allais aller faire ton petit pipi. Bah, j'ai pas encore envie, dis donc. Ah, t'as pas encore bu assez de café. Ça doit être ça. T'as bu combien de tasses de café pour l'instant? 2. Ouais. Le café est dangereux pour la santé. Ceci est un message du gouvernement. Waouh! Genre, t'imagines, on découvre des toxines de ouf dans le café d'ici. Ah, mais. L'abus de café, ça peut être dangereux. Bah, oui, mais pour la tension et tout, ouais. Mais ça m'étonnerait qu'on trouve. Pour ça, faut des toxines, boire des... parce que je pense que ça aurait déjà été trouvé. Oui. Avec les technologies d'aujourd'hui. Du coup. Ah, tiens, faut aller au. Et du coup, je dois aller où, là? Bureau du proviseur, il y avait marqué. Non, mais après le bureau du proviseur. Ah. Parce qu'il m'a juste dit, je peux vous demander de sortir, s'il vous plaît, et ça me remet dans ma chambre, et c'est tout. Je sais plus. Ouais, je vais juste sortir de l'école, voir si se passe un truc. Bon, allez, faites-vous un gros câlin. Je ne fermerai pas les yeux sur un certain nombre d'infractions. Ah. Motiti, motiti, motiti. Ça va faire la plonge. Les CES. Centre d'entraînement staff. Ah oui, d'accord. Tu parles de travaux, tu parles d'une punition. Ah, c'est un jeu Pokémon. Hein? Un jeu Pokémon. Ouais. Dans la vraie vie, il serait déjà en prison. En prison, je sais pas, mais conseil de discipline en tout cas. Ou renvoyer. Oui. Je pense qu'il y a plus de chances. Bah, renvoyer suite à un conseil de discipline. T'as fait Team Star fini là? Attends. Une fois que Steven ne savait pas où aller, je sortais de l'école. C'est ce que je voulais, j'ai fait et il se passe des trucs. Nul besoin de. Draco Météor. J'en connais un qui va être content. Pas Draco Météor. T'aimes pas Draco Météor? Trop fort comme attaque. Non, mais où ça, tu l'as eu? Qu'on continue un petit peu de parler des PNJ, tu vas voir, tu vas l'avoir. Voilà, j'ai fait un peu le tour dans l'école là quand je passe par. Direction salle de biologie en fait, elle te demande de récupérer un certain nombre de Pokémon, elle te donne genre fauchage, des Pokéballs. C'est dans quel truc ça? Salle de biologie, je crois. Ok, je vais aller voir. Je dois aller voir l'infirmerie aussi.
J'ai vu que j'avais des points d'exclamation. Donc... Ouais, c'est pour ça que j'allais faire son deux fois. Ce sont juste des petites scénettes. Après, il y en a, y a certaines, certaines salles où tu peux avoir des CT, ouais. Ou des objets. J'ai 330 Pokémon, 333 Pokémon, je crois, en plus. Terminé. Ouais. Je trouve que ma sanction n'est pas assez lourde. Punish me, Father Master. Pardon. C'est un peu ça. Punissez-moi. J'imaginais pas que c'était aussi facile de pirater le système et Pania qui fait oh c'était vraiment un jeu d'enf... je veux dire je suis désolé. Ouais. Puis je vous demandais de sortir. Oui. Ok. Et du coup, après le bureau, on sort de l'école, c'est ça? Ouais. Ouais, ouais. Ouais, en fait, c'est 30, 100, 200. Ça va être quoi la prochaine étape? 400. 400? C'est le... Si c'est 400, c'est le... Le charme. Non. C'est 405, le charme. Ouais. Rejoins-moi où on s'est rencontrés pour la première fois devant les marches de l'école. Viens vite. Mais tu me donnes pas d'ordre. Ah si, la preuve. T'es pas ma mère. Et en plus, je le fais. Tu dis ça, et en plus, tu le fais. Ben oui, je pense que t'es vraiment. On est obligé. Elle est où d'ailleurs? Ah, elle est là. Oh, bah, vaut mieux pas. J'ai pas de problème. Ouais, actuellement, ouais, c'est chaud. C'est le genre de phrase tellement nulle qu'elle en devient cool. Je pense à sauvegarder quand même. Oui, d'autant si jamais vous avez pas la... la sauvegarde auto. Je dois très... Oh. En cap, c'est la ligue, c'est ça? Ouais. Mais Katen, il va faire sa pause, rechercher son café, tout ça. Oui. Puis ensuite, on pourrait... Vous avez une pause à faire. Objectif Stardust terminé. J'ai déjà... J'ai déjà pris le... J'allais dire le TP, mais non, j'ai pas le TP. Je vais aussi... aller en véhicule. Ouais. Hop. Je vais aussi débrancher, rebrancher l'écran, parce qu'il me fait des siennes. Du coup, je vous dis à tout de suite, les enfants. À tout de suite, Captain. Et objectif Stardust terminé aussi. GG. Qu'est-ce qui se passe, là? Mon écran est tout noir. Bah, c'est pas cool. J'ai été sur un endroit où je devais pas aller, ça me téléporte? Ouais. Okay. C'est effectivement ça. Il y a des montagnes où on n'a pas le droit d'aller, sinon ça nous téléporte. Des compagnoles. Des tout doudous, mais pas de petits ravis. Compagnoles. Oh, un dresseur.
Je reviens dans un instant, Morrigan. À tout de suite. Zelki, on n'est plus que tous les deux. Get it. Bon bah c'est cool là, plus que la ligue. Ouais. Je pense que je vais refaire un peu mes attaques de mes Pokémon avant la ligue, parce que sinon je vais morfler. Heureux les petits potes à la compote. Ouais. Bonsoir Edol, comment vas-tu? Coucou Edol! Bonsoir Edol! Comment ça va? Allô? Oui, nous t'entendons, cher Kalten. Bon retour à toi. Bonjour, bonjour. Ah, ça c'est le mood de tout le monde, je crois. Et on m'entendait pas quand j'ai dit coucou Edol? Je l'ai dit juste après moi. Ah bon. Et moi, ça irait mieux également si je ne travaillais pas demain. Et j'espère que tu vas bien. Accepter le fait qu'on bosse demain. Enfin, que tu bosses demain. Je dis on alors que je suis arrêté encore. Mais... Yep. En dépit du fait que tu travailles demain, j'espère que ça va. J'aimerais bien récupérer un peu de temps aussi. Parce que j'ai envie de jouer à 15 000 jeux et j'ai pas le temps. Ton esprit glisse ailleurs? Non, ta gueule. Pardon. Ça, c'est des plans pour s'en sortir. Oh putain, la violence. Désolé, c'est le manque de donne. Ah ouais, t'as pas eu ta dose. Quelqu'un pour défier la ligue? Ah bah oui, moi je vais y aller là. Non mais c'est parce qu'il y a un dresseur juste devant qui dit ça et avec une lune noire, donc je pense qu'il a des personnages niveau... Des personnages quoi. Des personnages Pokémon niveau non, c'est, je viens de le battre, et... c'est dans la cinquantaine. Il y a deux dresseurs et ils ont des niveaux très différents. Ouais, 15. Sur Violet, j'y étais allé et... Voilà. Oui, on est devant la ligue. Voilà, bourre. Ouais, avec une journée 11 jours de boulot. Ouf, chaud. J'ai repris FF14, ça n'a pas de prix. Yes.
Et ouais. C'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai découvert qu'on pouvait fuir les combats contre dresseurs d'ailleurs. Et du coup, ça te fait repop au centre Pokémon. J'espère que ta reprise se passe bien, Dol. Même si j'imagine que le fait de ne pas avoir de temps aussi bon que moi gâche un peu ton expérience de jeu. Ouais, oh, l'autre. Je rigole, c'est bon, je suis pas laisse-moi essayer de me faire mousser un petit peu. Ah. Qui veut un Ayupa mousseux? Ah, j'ai battu Maxime. En même temps, hein. Hein? Je dis, répondez pas tous en même temps. Moi, j'aime bien Compagnol, ils sont... Enfin, il est mignon. Je sais pas si je dois parler au pluriel ou au singulier. Est-ce que vous pensez qu'ils sont, ils s'identifient en tant que Pokémon ou en tant que groupe? Pierre. Ah non, foutre. D'accord. Ça, c'est un peu comme Trio Picker. Hein. Ouais. À ce moment-là, je dirais que c'est plus comme Neuneuf, tu vois. Trio Picker, tu sais, il y a du contact. Bah, tu sais pas. Flûte. J'ai fini à 7-9, un peu les pandae de 5 à 8 et après j'entame la 6-3. Le pandémonium. Bah, nous au boulot, la 6-3 on l'a fini. Il y en a un qui a compris. La 8-6, tu l'as fini? La 8-6? Ah non. Pas encore, mais je prends très peu de 8-6 en vrai. Je suis désolé, mais Alisma, elle est vraiment dégueulasse. Oh, moi j'aime bien. On dirait un robot. Après, j'ai un doute sur la coiffure. Mais mis à part ça... La coiffure et les yeux... Ah, bah... je me souviens plus, elle a pas des cils du bas proéminent ou un truc comme ça. Tu vas la revoir dans un instant. D'ailleurs, oui. Moi, je dois... Il me demande si je souhaite tenter l'examen de maîtrise, mais j'ai ouais. Alors, par contre, j'ai bien envie de re-soigner Floricla... Qui gagne un peu de... Mais non! J'ai utilisé un rappel sur un Pokémon qui est pas KO. Oula, c'est bizarre ça. Ah non, j'ai briochien. Okay. Donc, je disais rappel sur Floricla. Putain. Mais non! Je suis pas gentil. Pourquoi il est pas... Ah oui, non, c'est normal, pardon. Bon. J'aurais pas dû faire ça. Oh. Erreur de débutant, Kalten. Bon, allez, du coup, vers la ligue. Comment qu'on y va? Bah, t'es où? Pour aller à la capitale. Ah, parce que t'as une grotte qui mène à la ligue, en fait. Dans la ville. Ouais. Ah ouais. Sur la gauche de l'académie. Ok.
Mais putain, arrête de mettre mes Pokémon KO. Moi je veux juste prendre de l'expérience en fait. Ah oui, mais en même temps il doit être à plus 4 maintenant avec impudence. Voilà. J'ai 5 têtes depuis tout à l'heure. Je ne sais point. Marche, c'est pas forcément un bon bail parce qu'il risque d'avoir pas l'ombre ou ouvrir vibre obscur. Bonsoir Chika. Coucou Chika, comment ça va? Chika, j'ai une question à te poser. Oula. Est-ce que tu trouves Kalten attirant? Parce que moi, oui. Il est mignon. Équipe, on va réenvoyer Dogrino. Comment ne pas le trouver attirant? Oh. Vous êtes trop mignon. Alors. On va réussir à maintenir tous nos Pokémon en vie quand même. J'espère. Enfin, la chance est pour moi. Malvalam. Attends, Malvalam, c'est poison feu, ça. Malvalam, c'est feu spectre. Ah, Malvalam. Oui, j'ai confondu avec Malamandre, merde. Ah, autant pour moi. La caméra, je la trouve un petit peu proche, c'est assez difficile d'avoir une belle vue sur le combat, je trouve. Bref. Ah. Bon, eh ben écoutez. Oh, tout doudou de merde! Niveau 9. Oui, je fais du level shaming. Comment Mixi m'est rentré dedans? Ouais.
Allez, la Ligue. Sauvegarde avant déjà. Ah, j'ai oublié. Mais j'ai la sauvegarde auto. Allez, c'est parti. Let's go. Ah bah non, attends. Petite... Ah, et veuillez entrer s'il vous plaît. Si, on peut rentrer. On peut se battre. Non, on peut pas se battre. Ouais, c'est ça. On peut nous parler. Ça me perturbe toujours les persos qui ont juste des cils du bas mais pas de cils du haut. Mais après, accepter ça. J'aime bien ça, les gars. Cayenne. C'est une Porsche. Porsche Cayenne. Nickel. Allez, c'est parti. Salut, je vais rentrer. Titre. Oui. Bah, titre. Ouais. Ça marche de ouf comme titre. Ouais. Comment ça, c'est chez vous? Je veux me battre là. Oh putain, c'est austère par contre l'accueil. Ok. Je suis venu en taxi volant. Merde, j'en sais rien. Je vais poser des questions pour mettre vos connaissances à l'épreuve. Vous serez recalé si vous répondez à côté. Ah. Passé par hasard. À pied. Et la reine vous a posé le plus de questions. On ne peut pas répondre aucune. Le nom de votre académie. Bon, ça va. C'était laquelle d'arène où on a tous galéré? Les arènes n'ont jamais été très difficiles. Oh, allez, je vais mettre celle du monde à paix, même si c'est pas vrai. Bon, bah voilà. Bon, j'ai été recalé. Je sais plus lequel d'arène. Moi, je dirais que c'était la normale qui m'a posé le plus de problèmes, je pense. Mais je me rappelle même plus laquelle est laquelle, donc. Le pire, c'est la question d'après. Et celle où tu choisis l'arène? Oh putain, la reine. Oui, mais ça, c'était quoi le nom de. Oui. T'as choisi quelle arène? Bah, en fait, moi, je me rappelle plus quel nom d'arène j'avais choisi, et du coup, j'ai fait un au pif et j'ai été recalé. Et vous vous souvenez du type que les Pokémon. Alors, attends. D'ailleurs, elles y sont pas toutes les arènes en plus. Si, tu défiles, tu peux défiler vers le bas. Ah oui. Putain, mais j'en ai aucune idée de qui c'est qui était là-bas. C'est ça. J'ai mis mon AP et je me rappelle exactement du type et du nom. C'est... Bah c'était la glace. Mon AP c'était glace, oui. Et c'était Grusha. Elle t'a mis en train de Clamora Google les réponses. C'était quoi l'aile? Arène normale. Pokémon écarlate. Donc il s'appelait Okuba Mesclamora. Non mais il nous fait quoi là? Oh merde. Okuba donc. Vous êtes recalé, nickel. Ouais, pareil, t'as fait la même connerie que moi. Et quoi votre connerie? Bah, il faut se rappeler de l'arène, du nom du bonhomme et de son type. Et nous, ouais. On n'a pas de mémoire parce qu'on est des abrutis. Ça vaut sur Google. Du coup. Oui, mais en fait, moi, en fait, j'ai sélectionné l'arène au pif, bon, on s'en fout. Et après, quand on fait le nom, c'est merde. C'est quoi le nom de la ville déjà? Mais en plus, je trouve que les noms de villes, ils sont difficiles à se rappeler dans cette version. Mais oui. Allez, moi, je suis à l'épreuve pratique. T'es reçu? Mais c'est infini.
Attends, mais jamais je vais y arriver. La catégorie du de votre coup, premier Pokémon. J'attends que vous, ah, vous ayez passé le ça. L'examen oral pour continuer avec vous. Je vous posais la même question que tout à l'heure. Hein, ce que vous comptez faire si vous atteignez... Ah oui. Ah putain, mais c'est infini. C'est quand qu'on se bat? Putain, c'est comme ça qu'on devient maître Pokémon dans cette version. Dernière question. Woo! Est-ce que vous aimez les Pokémon? Non. J'avais tellement envie de répondre non, mais j'imagine que t'as recalé. C'est ça, t'as juste pas envie de tout recommencer derrière. Attends. Y'en a pas un qui est facile là à trouver. Mon AP, c'est facile, c'est bien, c'est pas mal simple. Bah, mon AP, Groucha et puis Glace. Ou alors, moi j'ai répondu Mesclamora, c'est normal et Okuba. C'était qui l'autre, la électrique là? Électrique, elle s'appelait Machine et c'était à l'Evanandura ou je sais pas quoi là. Oh, tu te rappelles de tout ça toi? Bah, ouais, Machine, c'est la seule. La Machine, c'est la seule dont je me souviens. Si, après. Bah, justement, c'est pour ça que je prends Machine. Si, la championne insecte, elle s'appelait Hera, je crois. La pâtissière, là. Par contre, le nom de la ville... Ah, c'était peut-être Sevaro. Je sais plus. Bon, bref. Du premier coup, en plus. Je crois que c'est pas arrivé depuis Menzi. La catégorie de votre premier Pokémon? Ouais, t'inquiète, c'est facile. En vrai, je pense qu'il y a plein de gens qui se plantent justement sur les noms et en mode. Mais putain! Ah ouais, non mais. Allez, c'est bon, là, je suis accepté, là, déconne pas. Deuxième épreuve, il faut que tu rejoues au foot avec une olive géante. La dernière question. Est-ce que vous aimez les Pokémon? Mais non, je les fais se combattre pour... parce que je ne les aime pas. Ah, j'ai pas sauvegardé. Ah, je me demande s'il va y avoir des gens qu'on connaît dans les dans la ligue. Je me suis pas spoil la ligue du tout, pour le coup. Bon, on va voir Alisma à la fin, ça d'accord. Ah, j'ai assuré apparemment. Ah mais on va avoir elle aussi. Allez, allez, moi je veux me battre là. Hey, je suis chaud, j'ai acheté 40 guérisons et tout. Go! J'aurais dû faire ça aussi. J'ai pas acheté de rappel par contre, je sais pas s'il m'en reste. Hmm. C'est bon, ah bah. J'attendais que vous me disiez go, pardon. Ah oui, vas-y, vas-y, go, 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 go. J'ai entendu scroller mon téléphone. Vas-y, tape-moi. Donc, du coup... C'est vraiment un Pokémon de masochiste, Florek, là. Je coupe, je coupe l'écran de quelqu'un pour ne pas me faire spoil le combat. Et c'est parti. Bonjour, comment tu s'appelles? Ah bah du coup, c'est Kayen le premier, hein? Ouais. Ah, bah, j'ai pas vu qu'il y avait des longs cheveux derrière. Ça me paraissait un peu évident. Ah, au moins qu'elle allait être dedans. Ouais. Qui ment de Kayen veut se battre? Je pensais pas que ce serait le premier. Ouais, je l'aurais. Ah putain, c'est de l'eau? Bah pour moi, c'est. C'est soit eau, soit. Ouais, j'aurais. Soit... Je pensais que c'était sa sœur. J'aurais bien vu Menzi. Camerupt. Mais Kayen, c'est la sœur de Menzi? Le frère, pardon? Bah moi, j'aurais dit la sœur. Pour moi, c'est un mec. Hein. Une fille, Kayen! Pour moi, c'est un mec parce que déjà, Kayen sans E. Plus la tenue. Plus piment de Kayen. C'est un mec, quoi. Ok. Quoi? Ça n'a pas de sens?
Tout est accordé au féminin quand elle parle. C'est une fille. Ouais, c'est... il me semblait bien. Ok, ok. Faut embêter, là. Ça n'a pas de sens. Oh, tu casses les couilles. Je l'ai pas one shot. Cette merde. Ouais bah c'est bien, c'est type sol. Oui oui clairement. J'ai pas vu combien de Pokémon elle a par contre. Si je crois. Peace. Je pense qu'ils vont tous en avoir 6. Ah ouais. C'est assez rare qu'ils en ont 6. Ah non, ils en ont 5. 5, ouais. 5, 5. Mais c'est là où je suis content d'avoir le starter pro parce qu'il veut une. Bah ouais, tu m'étonnes. Ouais, c'est Virevoreur qui fait le taf. Ouais bah oui tu fais. Canne Balgren tu fais. Ou Canon Gun, je sais plus. Méga fouet. Méga fouet. Mais moi du coup je fais des danses aquatiques. En plus comme ça augmente ma vitesse à chaque fois, bah moi je suis sûr de taper trop. Ah bah ouais carrément. Carrément. Terrestre, c'est sol poison. Oui, ouais. Bah comme Axolotl de Paldea. Non mais j'avais un doute, c'était sol poison ou sol eau. Ah non, mais il, a pas, il est pas haut du coup. Ah, je me fais soigner. Ah, j'aurais dû me faire cristalliser. Ah, bah non, c'est une fois par. Pas par combat, mais par. Le truc où tu te soignes, quoi. Ah ouais, mais Cléopsytra du coup est endormi. Poison sol. Ah, ça casse les couilles un peu. Je sais pas si tu peux utiliser une attaque pour me toucher. Il a éboulement. Putain, il absorbe où ? Ça me rappelle. Oh merde. Ça me rappelle la peluche terrestre qui est trop cool, la vidéo sur la fabrication de la peluche terrestre. Oh putain non, Itera Crystal. Itera Crystallis Ténèbre. Merde. Ténèbre, Spectre, pardon. Ok. Premier combat, c'est bon. Piment Cayenne, c'est bon. La Porsche Cayenne, c'est bon. Bon, il m'en reste encore 3 Pokémon. Putain, il l'avait pris. Terrible désillusion. Ok, je vais lui rouler dessus à Terrestre. Terrestre en plus, ça fait T plus loin reste, c'est mignon. Voilà. Non, mais par contre, il va pas casser les couilles avec son. Oh putain, c'est un Camerupt. Ah, si je savais. Non ! Mais il était une attaque. Mais. Yeah.
prochain adversaire va être encore plus fort. J'aurais dû balancer des gigas sans su. Bon, normalement j'ai quand même un bel avantage. On va en profiter pour soigner. Sachez que vous pouvez soigner entre les combats avec vos objets. Hein. Oui, oui, bien sûr. Et là, en fait, je soigne pendant le combat pour que les Pokémon lisent les points d'expérience, en fait. Non, mais c'est parce que je pensais que vraiment que les combats se seraient enchaînés, mais finalement, je peux soigner. Oh non, plutôt, bah, c'est comme d'habitude, quoi. Ah, faut pas bouger, par contre. Hein. Ah, je sais pas, j'ai pas encore bougé. Ah ouais. Ah c'est tout. Ah merde. Tiens, on sent une déception dans ton autre vie. Ouais. J'ai un doute. Si on peut dire ça, le doute t'habite. Bah on va réenvoyer Virvoreur et on va soigner, enfin on va réanimer Cléopsytra. Mais ouais c'est... Ah, mais oui, la terre a cristallisé sol, donc du coup, il est plus vulnérable au psy, je suis con aussi. Non, non, c'est moi qui suis teubé, c'est tout. On peut penser à un truc. Oui. On va débloquer les raids 5 étoiles après la ligue. Bah, je pense, oui. Ouais. Ah, oui, je pense aussi. Ouais, cette fois je fais pas l'erreur, giga sans su. Voilà. Et hey, en plus il se passe pas pris, mais il est cancer. You know that you're toxic. Oh putain, non mais. Oh non, 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 hey, non, non. Oui, d'accord. Ah putain, je suis un abruti. Mais non. Donc c'est absolument pas voulu, je suis sûr. Non, c'était pas voulu. Bah non, mais. Bah en plus, il est cancer de signe aussi. Ouais. Vas-y, je vais m'accrocher à la vie, me saouler avec le bruit. Et du coup... Des gens qui t'entourent. Ouais. Oh putain, elle, c'est vrai. Tu t'accroches à la vie. T'es en train de l'éclater à elle. Ah bah c'est bon du coup, on lance le deuxième combat. Bah ouais. Let's go. T'as fini Bah moi j'attends Ziel. Ziel, Ziel. Non, voilà, je viens de finir. Okay. Ah bah ça va, bah, je vous attends pour le troisième alors. Moi je soigne et puis basta. En fait, quel signe elle fait signe. N'importe quoi. Bah j'y miserais bien sur du fée, tu vois. Bah ouais, étant donné que fée, on l'a pas eu dans les... Ouais, surpris. Elle va être ténèbre, tu vas voir. Non. Tiens. Ah, puis oui, ça va être assis. Attends, elle a une grosse clé. Ah. Ok, c'est type acier. Ouais. Popipo, pipo, popipo. Du coup, je l'ai éclaté assez. Ça, type acier, c'est... Ah bah. Avec le starter feu, ça passe assez bien, ouais. Ouais, voilà. C'est ça. Ouais. Tu fais shampoing flamboyant pour tout le départ du combat et puis ouais, tu la foutres à la fin avec des flagrations. Florec là c'est pas un bon bail par contre. Voilà. Tu fais du one shot sur l'intégralité de sa team, c'était beau. Ouais ouais. Ça
battu Poppy. Alors par contre là c'est, tu vas pas me plaire. Je te le dis tout de suite. Là, c'est quoi son élément hein? Acier. Acier. Ah si c'est faible à sol et feu. Ouais. Sol feu combat. Je sais pas quel élément utilise entre les trois. Arc de l'ombre. On va utiliser autre chose. Ah putain. Ah c'est marrant, elle reste avec nous, Cayenne. Oh, bah, elle reste tous avec nous. Hmm. Bah ouais, parce qu'ils ont plus rien à foutre alors. Oui c'est ça. Ils ont fini leur journée. C'est ça. Putain la gueule de lui. La gueule de lui. Mais je vous apprends pour le troisième du coup. Ok. Bah effectivement Poppy ça risque d'aller assez vite. Il a pas encore appris ma chouille de Grino. Ou alors il l'a appris mais. Bah j'ai morsure mais. Regarde une capacité. Moi tu regardes si tu peux lui rapprendre ses capacités. Ouais. Je tourne la tête, je vois les gens à qui j'ai parlé sur le Discord récemment. Mm-hmm. Dans cette liste, il y a un certain Yomsd qui joue à World of Warcraft. Tiens donc. Je pense qu'il subit une addiction sévère à ce jeu. Aïe aïe aïe. Non, mais arrêtez d'éviter mes attaques. Moi, nul doute, il souffre d'une addiction à World of Warcraft. Quelle est ta défense? C'est vrai, tu passeras sur TF1. Mais quelle est ta défense? Oh putain, il avait fermé TF1. Es-tu encore dans la recherche de ton combo classe race? Poppy envoie Magnézone. C'est marrant comment elle envoie ses Pokéballs quand même. Ouais. Oh, j'ai l'âme en peine. Et ça one-shot pas. Je suis à plus 4 à Vagrant. Il travaille avec les animaux. Magnézone. Dommage, j'ai pas de d'attaque seule. Mets en lumière. Comment oses-tu? Il a fermeté. Mmh. Eh oui, mon kiwi. Je cherchais pas, ça m'est venu. D'accord. Je teste des trucs. Ouais, non, mais. J'ai man squeezy, comme on dit. Hein? Ouais, je viens de le battre. De l'abattre? Mon dieu, c'est horrible! Oui! Bien joué! Ah, Forger Ilana, ça lui ressemble bien. Montre-lui que c'est toi la plus jolie, non mais. Je suis encore face à Forger Ilana donc je peux pas te dire. Ah oui merde. Ouais t'inquiète. Mange tes morts. D'accord. Voilà. Ah.
fait des bruits de chat, on dirait. Je les défonce. La Forgelina, j'entends. Oui. Donc, je voulais laver le front qu'il t'a fait. Le front. Je voulais te laver le front qu'il t'a fait. Oh, qu'elle doit retourner à l'école. C'est ça. Oh putain, elle chiale en plus. Tu as fini toi, du coup, celle qui avait fini aussi. Hein, moi j'attends piège. Ouais, pour moi, c'est. Oui. J'en attends pour le troisième là. Moi je viens d'arriver. Enfin, il vient d'arriver surtout. Et effectivement, ça a l'air d'être Okuba. Alors, en fait, il dit bonjour, je suis Okuba, donc forcément. Ouais, bah c'est lui le champion normal qu'on a déjà affronté, quoi. Bon, bah moi, c'est parti. Même plus, quoi. Bah, on l'affronte dans le restaurant. C'est avec lui qu'il fallait faire la recette, machin, là. Ah ouais, c'était lui. C'était lui, ouais. Non, parce que moi, j'ai pas de cerveau, hein. Le mec, je pourrais l'avoir rencontré il y a 10 minutes. Ah merde. C'est lui, hein. C'est vrai que maintenant que tu le dis, sa tête me parle, hein. Apparemment, là, il va pas être de type normal, du coup. Non, il a dû se spécialiser dans un autre type. Moi, je l'aime trop, celui. Ouais, il est sympa. Bah, en vrai, il est pas mal populaire, hein. J'irais vraiment le salaryman par excellence. RTT, ça se mérite. Il va y avoir un truc genre psy, non? Au vu de ses gants? Oh non. Non. Ou plus. Ah, ok. Plante? Je l'ai eu. Plante vol? Plante vol? Il vient de dire l'équipe vol. Ouais. Vol, tu crois? Ouais. Ouais, ouais. Il vient de le dire. Ah, bah ouais, effectivement. Ok, vol, c'est pas le truc sur lequel j'ai le plus d'affinité. J'ai un Pokémon électrique. Moi, j'en ai pas. Moi j'ai Floreclà, il va être. Il va être impeccable. Ouais, on lance. Lance-soleil tour 1. Bah, tour 2. Alta! Il a fait Zénith. Donc... Ouais, il a fait Zénith, puis il est bon. Ah, mais il rigole pas beaucoup quand même. Hein. Et tour Raptor. Mais c'est marrant, mais... On n'a aucun qui est faible à l'électricité pour l'instant. Ah, moi j'en ai un qui serait faible là. Mais vu que tu dois avoir ton Pokémon électrique, en fait, l'intelligence artificielle fait qu'il va pas envoyer un Pokémon mais non, qui est faible. S'il vous plaît, il est ouais, je pense aussi. Ah, et ton Raptor, là c'est faible. Ouais. Ah, ouais, mais par contre, vu qu'ils sont tous sols, ils vont pas se prendre des pics toxiques. C'est chier. Ou si t'as le droit de la vol, tu veux dire. Oui, oui. Trois tours. Mais par contre, les pièges de roc. Les pièges de roc, ah bah là. Alors, un plumine, à votre avis, les cages de type, celui-là? Ah. Aucune idée. Ça serait marrant que ce soit aléatoire. Ouais, il est jeune. J'imagine qu'ils ont dû le mettre de sorte que l'équipe soit équilibrée, un truc comme ça. Je vous laisse, ça fait un plaisir de t'entendre en tout cas. Yes, et bah écoute, bonne soirée à toi et merci d'être passé, Chika. Gros bisous. Bonne soirée, Chika. Bonne soirée. Zgeli, ouais. Ouais, j'ai l'électrique aussi. Ouais, ça fait plaisir de te voir, Chika. Oui. Bon courage pour le travail ou l'école demain, je sais pas ce que tu fais. Oh, le travail, je pense. Je pense aussi. N'est-ce pas, Zinxi? Ouais. Flamant roule. Ah, il est type combat, lui, par contre. Vol combat. Vol combat, oui. Mais c'est vrai, depuis que moi j'ai arrêté de travailler, ça doit être la folie. Mais... Ça y est, il court partout, il...
Y'a plus Ziel qui est au travail. Ah. Faisons des arakiri en boucle. Non, putain. What? Ah bah tiens, j'ai plutôt envoyé Cléopsitra. Que Florecla soit pas le seul à bosser. C'est Lansorian qui bosse depuis le départ. C'est pas Marmot qui bosse depuis le départ. Ah, moi c'est mon starter qui bah, il fait des attaques, il se set up et après il one shot. La classique, hein. Ah bah oui. Classico classique. C'est ça. Donc, le Pokémon est pété, moi j'en fais pas. Ça confus ça. Oh, putain, Ouais, ça doit être. Un cristal vol. Ah oui, mais du coup, il a terra cristallisé, il a plus la vulnérabilité psy. Putain, tu casses les couilles, Flamant Roule. Et bim, c'est comme ça que je fais, moi je te gèle, voilà. Wouah. Incroyable. Oh, Cléopsitra BG. Cléopsitra ne veut pas vous faire de la paix, mais endure le choc. Le jeu a eu pitié. Putain, le jeu a eu pitié alors que je suis même pas en difficulté. Allez, au coup bas. Bon, eh ben, au suivant aussi. Moi, pas encore. Non, mais moi, de toute façon, je soigne mon équipe et je vous attends. On peut dire, pareil. Je dois dire que tu n'as pas volé ta victoire. J'aurais pu la faire. Et c'est pas un compliment. Ouais. C'est bon pour moi aussi, je vous attends. Ah ça. Ça me dit. Ah mais oui. C'est un des profs. C'est vrai, il fait partie de la ligue lui aussi. C'était dit. Oui. Il est grand. Je pense que ça va être dragon, parce qu'il y a toujours un dragon. En vrai, il a une bonne dégaine de dracologue. Ouais. Il a une cape, donc c'est forcément. Il a une cape, c'est forcément un dragon. Ah mais la nana a aussi une cape et je pensais que c'était soit lui, soit elle, de toute façon, forcément des deux. Ok. Oh putain, tiens-toi debout toi. Ok. Bah moi je suis prêt quand vous voulez. Y'a qui est encore en combat? Non, moi là je suis en cinématique. Et ok. Faut que je soigne juste mes Pokémon et après c'est bon. Ok. Bon, j'ai déjà tout. Allez, nickel. J'attends ton go alors. Hop. Pour l'instant, ça se passe bien. Hein. Ouais. T'es sûr que je commençais à 8h, hein, mais non, 8h15, time d'aller se coucher. Bonne nuit à toi, Edol. Edol. Gros bisous. Edol. Oui, Edol, repasse, tant pis. Faire ça comme ça. Oui. Let's go. C'est parti. Parti. Si. Et c'est parti pour le show. Ouais, voilà. Il le dit. Ouais. Il l'a dit. Le dragon du Conseil des Quatre. C'est moi le dracologue, frère. Ah putain, combat dragon versus dragon. Que l'art du combat, ça va être Mais pareil pour toi, Mixi, on a le Clévo 2, il saute facile. Non, moi j'y vais avec des dragons, c'est moi le dracologue. Clévo 2, c'est un dragon, t'es con? Oui. Ouais, non, mais c'est Lansorian qui m'a pris. Et Lansorian, il. Il en sort rien.
Il est plutôt très rapide. Voilà. En plus, il ose sortir les mêmes dragons que moi. Ginette. Tes dragons sont lents. Mais non, je change pas de Pokémon, il est trop bien, Lansorien, qu'est-ce qu'il y a ? Lansorien, il est trop fort. Allez, et moi, Team Briochien. Ouais, bah, Briochien, il va faire le café. Ah, bah, ça. Il va faire le café et le combat en même temps. Oh, l'âme d'air, Victaras. Mais non, je change pas de dragon. Je lui montrais ce que c'est un dragon. D'où que Bruyvern est plus rapide. Bah si, oui, Bruyvern est plus rapide. Cravarec, il est dragon poison, c'est l'espèce de d'hippocampe. Mais c'est qui ton dernier Pokémon? Montre-le-moi. Quoi? Il va mourir. Ah oui, c'est lui. Voilà. S'il est devenu, au revoir. Allez, bonne soirée. Ah, du coup, il a enlevé les dépôts toxiques. Casse les couilles. Tu es un mauvais dracologue. J'ai one-shot tous tes dragons de merde. Tu ne mérites pas le titre de dracologue. Quelle violence. De soigner un petit peu la team. Hein. C'est arrêté de briser les moules là. Donc je voulais soigner Florec là. Les vaudous. Ouais, c'était prévisible, je pense. Bah ouais, c'est un peu le dragon de la gêne. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est le meilleur Pokémon de la gêne. Pas d'accord. En fou, plus ratio, plus palu, plus prout. Merci à ça, mes dragons sont plus forts que les chiens. Bisous. Voilà. Allez, crado vague. Ah, tête de fer. Aïe, aïe, aïe. Ils sont gentils, nous vont soigner. Ah, ça, ça fait plaisir. Alors, Kulten, des difficultés avec des dragons? Un petit peu. Bon, ça va aller, t'inquiète. Non, j'ai... Bah, non, pas moi. J'ai pas de dragon, oh. Oh là là. Bah, selon le dragon que t'aurais eu, il se serait fait one-shot. Ah oui, le sushi. Non, mais je dois t'avouer que surtout, Lansorien, c'est l'un des dragons les plus rapides, donc ça le fait, quoi. Ouais, c'est clair. Bon, mais du coup, je vous attends pour le dernier combat. Oui, je suis battu. Ok. J'ai bien envie, par contre, de rappeler Florec là.
et ensuite on pourra combattre. Attends, on va... Je vais pas prendre de risques. Parce que si jamais il m'outspeed, je suis mal. Ouais. Après, il est pas super rapide. Ouais, mais je crois que Dogrino est quand même plus lent. Ouais, il y a moyen, ouais. Ouais. Voilà. Normalement, le reste, ça devrait aller relativement easy. J'ai pas vu qui c'est qu'il allait envoyer. Pomme Drapi, oui. Poison grave plus machin. Mais du coup, si jamais il nous soigne. Ouais, il te soigne après le combat, là, il te soigne. Ouais, ouais. On va regagner les PP, donc. Ouais. Ça, c'est cool, parce que il y a certaines attaques que je commence à plus trop avoir... Ouais, mais tu dois avoir plein de joules. Ouais, c'est vrai. Il reste Glévaudo, c'est ça? Oui. Ah merde, mais Terra Crystal Poison... Kuyono. J'aurais dû soigner Brioche en fait. Je vous attends. Ouais, ouais, ben. Là, j'ai son Glévaudo qui Terra Crystal. Fait mal. J'aurais pas dû faire ça. Il m'a lancé une attaque glace, ça a pas dû tarder. C'est bon, j'attaque en premier. Ok, c'est ok. C'est vrai que dépôt toxique de Floreclat plus châtiment ensuite. Ouais, ça pique. Hein. Ouais. C'est un combo que j'utilise pas du tout alors que bah, c'est un peu le best. Ouais, c'est un bon combo. Ouais, il est plutôt sympa ce. Ce conseil 4. Ouais, j'aime bien. Enfin, après, t'as quand même la gamine qui est conseil 4, mais bon. Ouais, le type acier. Le type acier. Attends, en fait, le truc, si tu regardes, c'est le type des Pokémon dominants, en fait. Leur truc. Ouais. Donc juste type roche, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça, roche. Dernier. Je
Tu vois la porte au fond? Oui, bah... C'est de là que vous venez tous, donc oui. Va voir là-bas si j'y suis. Franchement, si tu perds, c'est que tu fais exprès. Merci pour la pression, wesh. Wow. J'espère que ça va le faire. Ouais. Je redoute un peu son type à elle. Bah soit elle va pas avoir de type précis, soit je parierais sur Roche. Roche, ce serait original. J'aurais plutôt dit petit. Bah Roche original. Ça fait plus tout, j'aurais dit petit. Il y a déjà eu dans une arène. Ouais, ah, je dis la Spectre. Spectre, ouais. Spectre, il y a déjà eu dans une arène. Il y a déjà eu dans une arène aussi, ouais. Bah, on a déjà tout eu, hein, si on part de ce principe. Bah non, moi je passerais plus sur un truc de Team Star ou... Mais on se bat contre elle et on verra. Oui, ouais, j'avoue. Bah je passe la porte. Let's go! Let's go! Let's go! Ouais, si on suit la logique qu'ils ont les Pokémon de type... des Pokémon dominants, ça serait Roche. Mais on a eu des... Après, on a déjà eu Pierre Rochard comme maître de la Ligue Roche. Ah, c'est classe. Et un énorme guichet d'argent aussi. Vaincre la maîtresse en chef est la condition sine qua non. T'as vu, sine qua non, c'est pas souvent utilisé. Tu sais comment elle dit « Es-tu prêt ?» Mais par contre, on n'a pas le choix de répondre « Non ». Ouais. Ah, il est pas shiny. Ah merde, alors par contre, ça, c'est pas un bon bail. Bon bah c'est soit psy, soit elle a une équipe équilibrée. Ça a l'air d'être équilibré vu le deuxième qu'elle m'a mis. Ok. Et vu le troisième qu'elle semble me mettre, ouais, ça semble équilibré. Ok. Ouais. Ah putain, c'est quoi déjà lui? Et qui? Non mais je le dirai pas, pas spoil. C'est... Je suis sur son quatrième. Ouais, son troisième. Putain, il speedrun le combat, Yupa. Ah non, mais je l'ai one shot. J'ai peur de me faire avoir sur les types. Bon. Ma strat. Gagner. Changer de poké... Oui, mais poser tous les trucs de gênance. Ah oui. Poser pas de gênance. PDR. Ouais. Tu sais ce qu'il dit le PDR? Ça a mis du temps à monter, hein. Oui, mais je suis un peu con. Aïe. Hey, tiens, mange. Quelle violence. Mais genre... Oh merde, j'ai pas lu. Allez, toupie éclat, ça suffira. Merde, je suis con. Mais non. Je suis un peu déçu qu'on se batte pas avec Menzi quand même. Bah ça doit être dans le post-game, j'imagine. Parce que finalement on est juste... Maintenant on est avec Zeko.
Ouais, elle va te demander ouais, dernier combat s'il te plaît, pour vraiment nous départager. Ouais, voilà. Une connerie dans le genre. Alors je sais pas si c'est du fait qu'on ait gagné des niveaux. Ouais, c'est du fait qu'on ait gagné 10 niveaux en fait. Mais cette fin de mission là, elle me paraît quand même beaucoup plus facile que les autres. Vivre. Ouais. Oui. Allez, c'est fini maintenant le blabla de fin. Ah. Bravo, tu as fini le jeu. Dernier Pokémon. Ça va être quoi son Pokémon signature, si je puis dire. Je l'ai. Dogrino va prendre colère. What the fuck? Bah, place de morsure. Même si, bon, les chouilles, c'est pas ouf non plus. Mais ça peut paralyser. Moi, j'aurais viré les chouilles. Ouais, mais ça peut paralyser. Ouais, mais morsure, cet aspect, t'es stabilisé et ça. Bah, ouais, mais j'ai déjà Croquefort. Ah, oui. Parce que... Ah, putain, oui, lui. Alors, il. Ouais, mais j'ai pas de combat. Mais feu, il est acier. Oui, oui, mais... Il est acier ténèbres. J'aurais bien aimé l'attaquer avec du combat, tu vois. Ouais, mais le feu. Le feux. Hop. Et il a la classe quand même, Scalper. Hein. J'adore. Effectivement, on a une petite scénette avec elle après. Délestin. On me dit pas que c'est Délestin son dernier Pokémon. Non. Allez. Ça va cristalliser en quoi? Ah. C'est marrant, j'aurais pas forcément dit que c'était un Pokémon de maître de la ligue. Ouais, ouais, c'est un peu bizarre comme dernier Pokémon quand même. Non, là, c'est je suis face à Délestin. Ah. Bah, tu verras le dernier. Surprenant. J'imagine que c'est qui va me l'envoyer là. Ah. Bah, c'est le best en même temps. C'est lui son dernier Pokémon, Floreclat ? Ouais. Bah, en même temps, je trouve que ça lui va bien en termes de design, on va dire. Ouais. Et puis, Clip. Regarde, ça, c'est un vrai Cléopsytra, meuf. Ça reste un Pokémon de merde. Voilà, maintenant. Mais non, il est bien, Floreclat. Non, je parle de Cléopsytra. Ah, mais non, il est bien, Cléopsytra. Floreclat, j'aime beaucoup, moi aussi. Floreclat, j'aime beaucoup. Le principe est très fort. Ouais. Ah oui. Voilà. Bon, le critique a pas joué. Le axe n'a pas joué. Bah, disons, il lui restait deux PEV. Alors, j'avais terminé la ligue avant les autres quêtes et c'était très très simple en vrai. D'accord. Bah, c'est vrai que c'est. Alors, j'ai pas fait gaffe au niveau des Pokémon, mais. Ça te fait pas ouf. Non. Bah, mis à part. Enfin, oui, c'est surtout. Ah merde, Terra Crystallis Roche, le con. Bah, oui, t'avais raison. De quoi? Bah, c'était le dernier élément qui manquait, Roche. Ah, oui. Ah, bref, je vous attends pour le prochain combat. Oui, blablabla, je suis méritant, etc. Oui. Bah oui, on va laisser, on va garder l'imminent impact. Boum. Boum, quand Floreclat fait boum, n'hésitez pas à appeler Simon. Ellie ? Ah, mais non, mais c'est la chanson de Dupont et Dupont. Briochien n'a absolument pas joué, enfin quasiment pas.
Alors Florecla fait le taf de ouf. Oh, elle est trop choupie, Menzi. Mais ouais, meilleur rival. Ah ouais, mais complètement. Mais enfin, dans la plupart des cas, je crois que c'est ma version préférée en termes de chara design, en vrai. Ouais, bah ouais, on va pas parler des deux rivaux des versions précédentes. Hein. Les deux rivaux des versions précédentes. Nabil et. Ouais. Ah, et l'autre. Comment il s'appelait, merde. Le psy là qui avait détruit un tag. Enfin, pas un tag, des dessins préhistoriques, mais bon, vous m'avez compris. Maître Kalten. Ah, ça j'aime bien. L'infirmière Joël ne nous appelle pas maître. Je suis déçu. Oh putain, le mec il voulait que les infirmières Joël appellent maître. Bah ouais, t'as un truc à nous dire. On est pour Pokémon quoi. Oh putain. Non mais en fait c'est, on demande juste de soigner nos Pokémon, tu vois. En fait elle est pas au courant, c'est pas marqué sur que t'es maître en fait sur toi. Moi je veux quand même qu'elle m'appelle maître. T'atteins le rang maître hein. Ouais. On est maître tous les deux, c'est génial. C'est génial, je prends mes affaires. Tu veux bien devenir mon rival? Ah bah non. Et tu vas voir, c'est trop choupi ce qu'elle dit après. Qu'est-ce qu'il y a, chef? En tout cas, il va pas finir son examen de maîtrise, puisque nous devons être fatigués. Bon, Kalten et Florec là. Vous pourriez nous prêter le terrain de combat de lui-même pour un petit moment, s'il vous plaît. Ah, on aura avec une signification particulière à le terrain du début, chez elle. Derrière ta maison, Menzi. C'est que j'ai pensé. Ouais. J'ai pensé aussi. Et non. Ah, d'accord. Dans la ville de Messaledo. On y a tous pensé, je crois. Messaledo, c'était quoi? La capitale. Hein? La capitale. La ville principale. Ah. La ville de l'académie, là. Moi, la bouffe. C'est là qu'il y a... Ah non, il y a le terrain de combat de la reine de Mescamora. C'est Okuba, mais c'est tout. Oh là là. Question tout ça avec moi lors de son examen fini. Du coup, on... Mais c'est... Ah oui, c'est pas encore fini du coup, faut se battre contre Menzi. Non. Ah. Et les portes dans la ville de Messaludo, et tu vas te battre avec. Ok, impeccable. Bah, moi je voudrais bien faire une pause pipi avant, si ça vous ennuie pas. Non, vas-y. Et puis on peut se faire ça. Du coup, on a quand même un vrai combat contre Menzi, ça fait plaisir. Un combat de maître. Un combat de maître, maître contre maître. Moi, c'est un combat de maîtresse. Waouh. Bon, je vous dis à tout de suite. Mais contre ma maîtresse. À tout de suite. À tout de suite.
Putain, il est déjà 23 ans. Ouais. Et oui. Ça passe vite. Bah oui. Bon, ça, en fait, finalement, on aura tout fait ce soir et demain, on pourra juste visiter tranquillement. Ouais, faut recommencer les légendaires, la zone 0, tout ça, là. Ouais, mais on sera tranquille, quoi. Bah ouais. Moi, je vais commencer à remplir mon Pokédex, donc à faire évoluer tous les petits Pokémon, là. Que j'essaie de choper un petit rêve. Au pire, ouais, je t'en fais un. Non, tout de suite. Ouais, je pense que demain matin, dans le chimio, je vais pioncer. Il doit vivre dans un manoir. Ou alors c'était vraiment un très très gros pipi. Il s'est perdu. Je sais plus où sont ses toilettes. Et dans un manoir. Allo, 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 allo. Ah non, il est de retour. Allo, justement, nous parlions de toi. Oui, bah, vous êtes sur mon stream en même temps. Non, c'est surtout que t'étais très long pour un petit pipi, donc on s'imagine que tu t'étais perdu dans ton manoir. Ouais, mon gigantesque appartement. Bah, maintenant, ça c'est un truc que je me suis dit encore. J'ai cherché mes parents dans mon appartement. Ça m'est jamais arrivé. Voilà. Bah, l'héritage va pas se faire tout seul. Hein. Ils sont dans le congélo. Pardon. Ils sont dans le congélo. Ouais. Bah c'est pour ça que j'ai pris un frigo avec un grand congélo. Alors, j'imagine que tout le monde est déjà sur place. Ils sont avec les restes du Buffalo Grill. Exactement. Oups, j'ai un peu trop avancé. Ouais, bah, de toute façon, moi j'arrive. Hein. Je décide de ne pas passer par la grotte. Moi je suis en combat. Je suis sur son premier Pokémon. Ah ouais, vous m'avez pas. Oups. Si, moi je t'attends. Je suis sur son premier Pokémon, j'attends. Bah, j'ai eu un fondu au noir, j'imagine que. Tu vas te téléporter parce que tu peux pas faire ça. Ouais, la ville est instanciée. Ouais. Ok. Ça marche. Bah écoutez, on va y aller. Elle est là. Ah bah j'ai vu un mec avec un lance-aurien. Oui. Bah du coup c'est bon, j'initialise maintenant. Let's go.
pas tous les jours que deux maîtres se battent. Et la rumeur, c'est... Ah oui, ben tout le monde vient nous. Oh. Ça, c'est ce que j'aime, c'est quand tu sens que les gens dans le monde, ils ont la hype de ce que tu fais. Ça, Épée Bouclier était très bon là-dessus. Ah mais du coup, elle a sa vraie team. Bah là, ouais, du coup. Ah ouais, ça risque d'être fun, ça. Là, c'est le moment de climax, quoi, du coup. Il a posé les PDR. Ah. Ah. Bah écoute, PDR contre PDR, hein. Hop. Ah non. Quoi? Ouais. Bon. Ça va être marrant. Il est quoi déjà de sous lourdo de normal. Normal. Normal, ascendant normal. Oh putain, et je me... Mais genre oh, aïe aïe, ça va être chaud. Ah oui, c'est ça. Ça va être chaud. Du coup, c'est bon. Menzi, elle me fait très mal. Enfin, déjà rien que Lugarok, il me fait très mal. Pika. Ah ouais. Non, je suis trop con. Bon, bah. Je... Meurs, voilà. Bon, Docrino, il tanque plutôt bien quand même. Putain, j'ai déjà... Ouais, bah, le jeu à pitié, c'est cool. J'ai perdu quasiment la moitié de ma team sur Lugarok. Ah oui. Mmh. Oh, ça va être... Waouh, mais elle pite, la pute, putain, mais elle a tout pour contrer, hein. Aïe, aïe, aïe. Elle fait mal, hein. Ouais. Plodocus, il est... Sol. Poison. Sol. Plodocus, sol, strictement sol. Ok. Bon, au moins, elle m'a pas mis les PDR à moi. Moi non plus, elle m'a pas mis les PDR, mais bon, ça picote quand même, hein. Ça picote beaucoup, ouais. Double décharge, c'est quoi ça? C'est puissant. Elle a de jolies movesets, hein. Ouais. Joli Pokémon aussi. Tiens. Alors, nous allons utiliser des rappels max. Oh. Oh vas-y. Deuxième rappel max. Elle me lance vive attaque. Son dernier Pokémon. Ça va être le starter à tous les coups. Ouais.
Moi, c'était le feu, du coup. Je sais pas, ça dépend de celui que vous avez. Je crois qu'elle a pris le celui qui était faible face à nous, non? Oui, c'est ça. Ouais. C'est surtout son deuxième type est fort. Hein? Son deuxième type est fort. Ah, oui, oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, mais fer de terre, tu casses les... Il n'y a que fer de terre contre lequel j'ai galéré. Moi, c'est Pomarmotte qui m'a fait chier parce que... Point de glace sur mes dragons... Ah ouais, tu m'étonnes. Moi, c'était surtout... c'est surtout Lugarok. En fait. Ah ouais, mais il a séisme. Bon, ça va, Flamigator Tank. Allez, je te racristalle contre toi, Menzi. Ça te faire plaisir, tu seras contente. Ah, c'était un coup critique. Si jamais je le double lance... Ah bah, y a pas besoin. Impeccable. Et bim! Comme ça qu'on mène un combat. Changer de Pokémon... Hop là. J'aimerais bien poser les PDR à un moment. Alors, c'est qui le maître de nous deux? Call me master. Ah oui, mais c'est vrai que c'est pas un empoisonnement grave que j'ai donné. Moi. Oh, elle va t'arrêter. Stabilisé. Ah bah ouais, mais au croupi. J'ai tendance à imaginer que c'est un Pokémon qui a un double type plante, Muclodocus, alors que pas moi, du tout. Je trouve qu'il a une tête de Pokémon dragon. Floracla ? Elle est trop choupie, ouais, elle est Muclodocus, là. Ah, Muclodocus, oui. Bon, je vais soigner Brioche. J'ai décidé de pas le préférer. Parce que de toute façon, Floracla, il a fait son taf. Il a pris des claques et il s'est pointe, quoi. Ouais, ouais. Pas besoin de plus, hein, il fait très mal. Là-bas. Ah ouais, bah de toute façon, Floracla, c'est un gêneur, quoi. Il est conçu pour ça. Ah, si tu peux lui mettre les pièges de roc, c'est cumulable ou pas? Deux pièges de roc, non. Non, pièges de roc plus les pics, là. Ah ouais, oui. Tu peux superposer tous les hasards de terrain. D'accord. Si même t'as les picots, tu peux combiner les pics toxiques, les picots et la toile gluante et les pièges de roc. Ouais. La voix du maître terminée. Ah, GG à toi. Moi j'ai pas avancé. Ah putain, il a bomberk le con. Putain, évite l'attaque aussi. J'en capture un second. Putain, même quand il tombe KO, Briochien, il est mignon. Je sais pas qui c'est qu'elle va envoyer. Sucré aussi. Ah, dessous lourdeau. Oh, ça devrait aller, dessous lourdeau, non? C'est le pire Pokémon, quoi. Il est trop bien, dessous lourdeau, qu'est-ce que tu racontes? Pas prendre de risques. On va pas prendre une attaque. Ouais, il a un risque en masse, une dragapulte. Non, je ne vais pas y aller. Si. De quoi? Une apparition massive de dragapulte. Ou c'est mélangé en sort. Ah. Let's go. Ah, on peut pas s'envoler d'ici. Miascar. Aïe aïe aïe. Oui, parce que Miascara, du coup, il est ténèbres. Les plantes ténèbres. Mmh.
coucou le plus beau. Coucou Biche, comment ça va? Bienvenue à toi. T'arrives pile poil pour le dernier Pokémon du dernier combat du jeu. Enfin, de l'aventure. C'est pas qu'il te parlait à toi, sinon il aurait pas dit le plus beau. Je t'emmerde. Oh, mais c'est du bon sens, hein. Mais il insiste en plus, hein. Il insiste, le con. Attends. En fait, je pense que je vais mettre Brio au chien, et puis basta. Brille de mille feux, mon plus grand trésor. Oh. Ah, elle va le cristalliser plante, là. La pommasse. Je voulais le taper sur le fée. En fait, attention à couper le son au début du générique pour le DMC. Ah, d'accord. Elle est protégée. Où est-ce qu'il y a des chloros? Je peux capturer ça en même temps. De toute façon, il me pour encore un paquet de temps avec toi, quelqu'un. Hein? Non. Ah, mais je suis con, j'ai. Bah oui, mais non, mais. Ah, mais j'ai Picor. Enfin, j'ai Picor, non. J'ai une attaque vol. Si, c'est Picor. Oh, il casse les couilles. Je la bats au poison, quoi. N'empêche qu'un truc un peu satisfaisant, quand même, c'est que... Enfin... On verra à la fin du combat, mais j'ai l'impression qu'ils utilisent jamais de potions ou d'hyper potions. Pas de soins. Oui, bah ça rend le truc plus facile. Ça rend le truc, ouais, mais plus moins frustrant par contre. Parce que... Ouais, c'est vrai qu'elle n'en utilise aucune. Enfin, moi, elle n'en a utilisé aucune. Mm. Bon, allez. Je vais aller voir du côté est de la ville s'il y a des parcours. Ok. Vu que les petits ravis ont l'air de me faire la gueule en ce moment. Oh. Ah mais du coup, elle elle l'a terra cristallisé, mais du coup, ça veut dire que est-ce qu'elle perd du coup le stab sur le type qui est fort face à ton Pokémon? Oui. Ben voilà. C'est un peu dommage. Mais du coup, si tu mets ton starter et que tu t'es racristallises aussi, tu lui mets dans l'os. Ouais, bah du coup. Il est censé y avoir des parcours par ici. D'après la carte, hein, évidemment, toujours d'après la carte. C'est la carte et la carte. Alors moi, faut que j'aille là, je vais m'envoler par là. Évidemment, je ne vais trouver aucun parcours, sinon j'en aurais déjà eu un au début du jeu. Je me suis donné à fond et tu m'as quand même battu. Elle va pleurer? Non. Mais non, elle est trop choupie, elle pleure pas, elle. Mais oui, elle est pleine de joie et tout, elle est pas en mode Dark Sasuke et tout, non, c'est... C'est le perso plus positif de Pokémon. Bon, en vrai, ça peut être façon Manly Tears, tu vois. Mais... Pas Manly Tears, vous voyez ce que... Vous... Oui. Vous m'avez compris. Ouais, non, je vois pas trop, mais je pense avoir compris. Oh, moi je vois. Merde, j'ai pas fait gaffe à ce qu'elle a dit. Je vois tout le monde qui est en mode facepalm, mais... En gros, c'est elle fait bon, on commence le rematch. Oh putain, Menzi dans le rôle de Menzi. Bah, apparemment, il y a des petits ravis aussi là, et je suis sûr que j'en croiserai aucun. Mais du coup, vous avez pas eu de générique? Non, je pense que le générique c'est quand on va à la prochaine zone, et j'aurais préféré garder ça pour demain. Oui, on va garder
Là, j'attends que vous finissiez pour aller me coucher. C'est après, pardon. Ok. Ouais, ouais, bah, je vous cache pas que là, je commence à douiller. Donc, ouais, moi aussi. On va... Hop. Il y a plus important, tu te souviens qu'on avait parlé d'aller dans la zone 0? Oui. Des sessions hors stream maintenant. Deux volontaires pour y aller. Ah bah oui, du coup, puisque... C'est ça, ensuite pour aller dans la zone 0, il faut avoir fini les trois quêtes pour avoir bah, et Pepper, et Panya, et Benzi, du coup. Oui. Ok, et eh ben écoutez, les Pokémon d'Ayupa évoluent en Dratatin. GG. J'avais un verre pomme et du coup, j'ai profité d'être en ville pour acheter okay. les pommes. Mais là, je suis parti à droite de la ville. Il est censé y avoir des parcours et des petits ravis. Et... C'est elle qui est fière de toi. Oui, et je n'en croise aucun, je suis en train de péter un câble intérieurement. Oh, tu veux un câlin? Mais non, mais c'est des Pokémon qu'on est censé avoir en début de jeu. Je comprends pas comment tu peux galérer autant pour les trouver. Il y a peut-être une façon spéciale de les trouver. Genre, ils sont dans un arbre ou un truc comme ça, tu vois. Vous en aviez trouvé, vous, des parcours et des petits ravis? Petits ravis, oui, parcours, je ne sais plus. J'ai un Seraphel dans mon équipe, donc oui. Moi, parce que j'ai des monofs limites, hein, c'est pas ça le problème, tu vois. Mais j'ai pas le parcours. Enfin. Ah non, par cool, putain. Je fatigue. Alors, attends, que je regarde dans le Pokédex. Hein. Putain, il est dans les P, quoi. C'est parce que t'es par ordre alphabétique aussi. Bah oui, mais. Ah, le voilà. Par cool, non, j'en ai pas eu. Vie perchée en haut des arbres, apparaît rarement. Peut-être pour ça du coup que... C'est pour ces infos, mais il me semble que si on fonçait dans les arbres, ça faisait tomber les Pokémon. Hein? Il y a un drop de bug graphique là, non? Ok. Ça m'a fait peur sur le coup. J'ai vu un truc à la porte, c'était bizarre. Ouais, bah c'était un lanceurien. J'ai son lanceurien à Mixi qui me stalk. Ah ouais? Oui, c'est ça. Bah il était à la porte de... Pendant un quart de seconde, il est apparu en fait à la porte de ma chambre. C'est très particulier. Mais ouais, du coup, il doit être par là, dans les arbres. Ah, attends, il y a des... Il y a des terra cristaux qui brillent. Il faut les voir, non? Peut-être des rangs 5. Ouais. Je vais regarder si j'en ai. Ah oui, j'en ai un qui brille électrique là-bas, je vais y aller tout de suite. Ouais, j'en ai un qui brille aussi, j'y vais. Et c'est un électrique aussi d'ailleurs. Mais d'ailleurs, si c'est des rangs 5, je suggère de n'en faire qu'un seul, sinon j'aime s'arrêter. Ah non, oui, mais de toute façon. Comme je vous dis, moi je commence à douiller aussi un petit peu donc. Et j'ai l'impression que je ne suis pas le seul. L'incroyable trio. Hop. Un total soin. Et donc dedans, j'ai un ectoplasma. 4 étoiles, par contre. Un ectoplasma foudre, c'est pas fou. Hein. Bah, il peut apprendre tonnerre. Ouais. Me semble-t-il. Oui. Après, si vous le voulez, on le fait, hein, mais je vais aller voir déjà c'est quoi le mien. Bah, y a des chances que ce soit ectoplasma aussi, hein, si c'est un truc event. Et s'il s'arrêtait de se mettre sur ma route là, ce serait cool. L'appareil de Dispareptile. Oui. Moi, c'est un Léviator. Ah, ça peut prendre tonnerre aussi, il me semble. Oui, mais c'est pas viable. Non. Bah, bon, bah si tu le terra cristallise.
Si tu le terra cristallises, il perd son double type qui le rend. Ça reste pas bien parce qu'il est orienté sur l'attaque. C'est pas faux. Après, il faut qu'on fasse les crédits de fin pour avoir les 5 étoiles. Ah. Et pour les 6 étoiles, il faudra qu'on finisse les tournois post-game rendus disponibles après avoir terminé la trame narrative. D'accord. De ce que j'ai trouvé, après, je sais pas si c'est les bonnes infos. C'est vrai que c'est assez compliqué par moment de trouver les bonnes infos quand le jeu est assez récent. Ouais, je pense que ça doit être ça, le monde l'a torché le jeu. Oh. Alors, si jamais je vais à Messaledo Sud. Ah tiens, il y avait le pieu qu'on n'avait pas vu. Je m'arrête là du coup. Ok, bah. J'étais parti chercher si je voyais des parcours, mais bah, je vais arrêter aussi. Je vais juste voir si jamais je trouve le pieu. Par contre, honnêtement, je regarderai de toute façon demain, on aura toute la soirée pour de l'exploration. Ouais. Pour... Celui-ci, le pieu, il est facilement trouvable. C'est celui qu'on avait vu au tout début de l'aventure. Voilà. Bah écoutez, du coup, on va s'arrêter ici pour cette fois. Merci les gens d'avoir regardé ce live. C'était très cool, enfin cette VOD surtout, parce qu'on va dire au revoir à YouTube dans un premier temps. Bisous YouTube. Bisous YouTube. N'hésitez pas, comme dit en début, de VOD à liker, commenter, partager si ça vous a plu, vous abonner si c'est pas encore fait. Hein? J'ai dit abonnez, vous partagez, signalez. Signalez, oh. Ah, t'inquiète pas. Ça va être signalé par le robot YouTube de gros mots là. Oui, c'est vrai, putain. Ben voilà, merci. et puis voilà, bah on se retrouve très vite pour une prochaine VOD où on va explorer la zone 0. Et en attendant, bah, on vous fait des gros bisous. Ciao YouTube. Ciao.